Et voilà mon pari public pour ce week-end. Alors, dans quelle compétition en Ligue 1 française, dans quel match Marseille-Lorient? Alors, je prends juste 2 secondes pour te dire que si tu veux recevoir 100% de mes paris, eh bien, je te laisse découvrir mon club privé. Je mets le lien dans la description de cette vidéo et je pars maintenant sur l'analyse de ce match Marseille-Lorient. D'abord, au niveau du classement, eh bien, ce sont deux équipes à égalité de points, comme tu peux le voir ici, 14 points pour chacune des équipes, les équipes qui se situent dans le premier tiers du tableau. Au niveau des confrontations directes, des face-à-face, eh bien, le dernier match s'est joué cette année, en avril 2021, et c'est une victoire de Marseille, 3-2, donc beaucoup de buts dans ce match. On peut déjà voir rapidement ici avec les codes d'Unibet.be, que Marseille est vachement favori pour ce match à 1,54 et Lorient vachement outsider à 6,25. Au niveau des statistiques de ce match, bien, ce qui est intéressant ici, moi, l'angle que je trouve intéressant pour ce match, c'est la capacité, non pas des deux équipes à marquer, je vais t'expliquer pourquoi. Mais regarde quand même que Marseille a marqué dans 100% de ses matchs à domicile. Bon, terrible scoring, 2 buts au minimum. Et Lorient a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur, sauf un ici, okay, à Reims. Mais je veux te dire quelque chose, c'est qu'avec des codes pareils, quand tu as un favori à 1,54 et que tu t'intéresses, dans ce cas-ci, je te le dis directement, aux deux équipes qui marquent. Eh bien, l'enjeu, la clé, ce qui est important, c'est pour toi d'avoir confiance en la capacité de l'outsider à inscrire son petit but. Parce que moi, quand le favori qui est en plus à domicile est à 1,54, je fais l'hypothèse que son but, il l'inscrit. Hein? Pour moi, ça c'est acquis, même si, ok, rien n'est jamais acquis, mais dans la plupart des cas, le gros favori va inscrire son petit but à domicile. En plus, ici, tu peux même regarder le scoring de Marseille qui est en plus très bon à domicile. Donc, ce n'est pas vraiment la question. L'enjeu ici, c'est de dire, bon, ici, j'ai un outsider, Lorient, qui est à l'extérieur. Est-ce que cette équipe est capable d'inscrire son petit but à l'extérieur? Pour ça, si tu regardes ici les résultats de Lorient, okay, donc c'est à l'extérieur, donc tu vas regarder ici le résultat, le chiffre, le nombre de droites, hein, un but. Ben, je vais prendre ici plutôt, voilà. À Lens, qui est deuxième au classement, Lorient a pu inscrire 2 buts. Okay. À Lyon, Lorient a inscrit son petit but aussi. À Montpellier, Lorient a inscrit son petit but. À Reims, Lorient n'a pas inscrit son but. Et à Saint-Étienne, Lorient a inscrit son petit but. Donc pour moi, dans 4 de ces 5 matchs, Lorient a pu inscrire son but, même contre une équipe deuxième au classement. Okay. C'est-à-dire que moi, eh bien, j'ai confiance en la capacité de Lorient a marqué ce petit but à l'extérieur. Dès que Lorient, si Lorient marque son but à l'extérieur, la probabilité que les deux équipes marquent n'est pas de 100% évidemment, mais est très très élevée. Okay? Il est très probable que ce pari passe si Lorient marque ce but. Donc tu l'as compris, le pari ici intéressant pour moi, c'est les deux équipes marquent ou BTTS selon le vocabulaire que tu utilises. Au niveau de la cote du BTTS, il est écrit ici 1,77, mais ce n'est pas à jour. J'ai été vérifié sur le Betting Exchange Orbitix Betfair, c'est 1,81. Et l'algorithme que j'utilise ici, le Google Profits, m'indique de la value dans cette cote. Donc, très bien, de la value dans les cotes, des statistiques qui me plaisent pour Lorient, pour le scoring de Lorient. Donc, je pars ici sur les deux équipes marques. Au niveau. Oui, d'abord, une dernière chose. Dernière chose avant de parler des cotes. Chose à vérifier, hein, c'est si Lorient, eh bien, a un buteur principal, il faut qu'il soit bien présent, qu'il ne soit pas blessé. C'est pour ça qu'ici, j'avais ouvert Soccerway. Okay. L'équipe de Lorient est ici. J'ai classé par but inscrit. C'est Lorienté qui a écrit 3 buts sur, je ne sais pas combien il y en a, moi, 7 et 3. Lorient a inscrit 10 buts. 3 buts sont inscrits par Lorienté. Ensuite, Monconduit et Mofi. Okay. Si tu regardes la liste des blessés,
Eh bien, aucun de ces buteurs n'est blessé. Okay, puisque les blessés, c'est Gerbic et Morel, qui n'ont inscrit aucun but cette saison. Donc, ce n'est pas un problème du blessé, mais pour moi, ce n'est vraiment pas un problème. Donc, pour moi, c'est aussi OK à ce niveau-là. Au niveau de la cote, maintenant, sur Odds Portal, tu peux comparer les cotes BTTS, évidemment. Alors, la cote moyenne est de 1,79 sur les bookmakers.com. Tu as quoi? Tu as 1,82 qui est pas mal du tout sur Pinacle. Et sur Bet365, 1,80. Et alors, tu as une cote max à 1,86. Sur le Betting Exchange, Betfair ou Orbitix, selon. Et certainement les autres Betting Exchange aussi. Tu es pour l'instant à 1,81. Donc, très bon. Donc, je dirais Betting Exchange ou Pinacle, tu es très bon. Okay. Au niveau de ta mise, maximum 2% de ta bankroll. Je dis toujours bien maximum. Hein. Certains pensent que c'est 2%. Non, c'est maximum 2%. À toi de voir où tu te situes à l'aise entre 0 et 2%. Okay. Et voilà, donc je te rappelle juste Marseille-Lorient, dimanche 20h45. Les deux équipes marquent 1,81 à la cote sur Orbitix, Betfair et 1,82 sur Pinacle. Donc, pour moi, très belle cote au vu des stats. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, dis-moi si tu es d'accord avec ce pari. Ok? Laisse-moi ton analyse en commentaire. Si tu es d'accord, un like. Si tu n'es pas d'accord avec ce pari, un dislike. Et j'espère que c'est déjà fait. J'espère que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, mais il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche des notifications. Ok? Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite un excellent week-end et surtout de bons paris pour ce week-end. À bientôt, mon ami.